avez la parole. Oui, je vous remercie, M. le Président, au titre de l'article 58, alinéa 1. Je suis surpris, c'est vrai que j'étais en mission, donc je n'ai pas assisté au début de cette discussion, mais je trouve qu'il y a, quand on présente un amendement, il n'y a jamais d'avis donné, ou quelques explications données par le rapporteur. C'est que ça a été dit déjà. C'est-à-dire, la proposition que j'ai présentée a déjà été faite, peut-être. Parce que je vois que j'ai eu aucune explication sur le fait qu'il y avait un avis défavorable. C'est que ça me semble curieux. Moi, j'ai une certaine expérience qui semblerait que quand il y a un amendement qui est présenté, ça peut être extrêmement rapide, mais au moins que le rapporteur et le ou la ministre puissent s'exprimer sur l'amendement au lieu de se contenter de le rejeter. Comment ? Donc, si j'ai bien compris, on anticipe. C'est-à-dire une discussion qu'elle a en commission, on ne doit plus l'avoir en séance publique. Bon, je suis content, Monsieur le Président, d'apprendre cette évolution de règlement que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. C'est vrai que ça s'était jamais passé avant, Monsieur le Président.